soir, nous sommes ensemble pour 2 heures de direct, 2 heures volées à la nuit pour parler de vos doutes, de vos fragilités, de vos peurs, de vos espoirs. Vous serez accueillis au 39-21 ce soir par Jeanne Paul. Paul qui fait le pitre là en ce moment en studio. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Oui, comme ça, hop, il est dénoncé et il repart vite dans son standard. Hein. Il est d'humeur taquine ce soir et vient me mettre des petites choses comme ça. Et bon, allez, je n'en dis pas plus. Donc, 39-21 jusqu'à 1h. Vos SMS au 7-39-21 en commençant vos messages par le mot nuit, vos mails également sur le site europe1.fr. C'est parti pour 2 heures de direct. Europe 1, Caroline Dublanche. Bonsoir Irène. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Je suis ravie de vous avoir au téléphone. Mais moi aussi. J'adore votre voix et elle me berce et j'ai voulu tant vous avoir au bout du fil. Eh bien écoutez, ça y est, c'est fait. Vous avez un petit accent, vous. Ah, mon accent? Oui. Eh bien oui, j'ai un accent, c'est sûr. Moi, je suis du sud-ouest. Ah, mais c'est ça. C'est, voilà. Je me disais bien que je connaissais. Oui, oui, il y a une petite pointe comme ça. Où, exactement? Et je suis près de Toulouse. Ah, d'accord. Alors, oui. Est-ce que vous avez eu un peu de soleil, vous, aujourd'hui? Ah, aujourd'hui, on était ravis. Un soleil, mais un soleil. Ah. En plus, je fais de la marche. Ah donc, oui. Il a fait vraiment chaud, donc c'est un mauvais signe apparemment, parce qu'avec ces grosses chaleurs... Il peut y avoir des orages. Nous allons avoir des orages dans la nuit, paraît-il. Mais écoutez, nous, il fait un vrai temps d'automne. Hein. Moi, j'ai mes bottes, ma doudoune. Là, je suis arrivée sous une petite pluie fine. Enfin bon, c'est tout va bien. Oui. Cette année, je pense qu'on va passer directement, il n'y aura pas d'été. Quoi. Oui, je ne sais pas. Une année sabbatique pour l'été, on repasse directement en automne, hein, je crois. Là. J'espère que non, qu'on aura quand même un peu d'été. Non, non, ça va arriver. Et bien, bonsoir Caroline, de nouveau. Donc voilà, je me permets de vous appeler parce que je suis tellement contente d'avoir rencontré quelqu'un. Oui. Je suis veuve depuis quelque temps. Mmh. J'ai eu mon mari malade pendant 4 ans. Oui. Et j'ai rencontré quelqu'un, justement, je faisais de la marche. Oui. Et nous étions à une cure. Je suis allée faire une cure pour me reposer aussi. J'avais besoin de me reposer. D'accord. Vu que j'ai passé quelques années assez difficiles. Mmh. Et alors, j'ai rencontré quelqu'un, justement, et cette personne habite très loin. On est tombés amoureux. Mais alors, c'est quelque chose que je n'y pensais pas. Oui, ça vous est tombé dessus, là. C'était un curiste aussi, cet homme? Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, nous étions à l'hôtel, tous les deux ensemble, et nous étions au salon. J'avais trouvé une feuille sur la table. Il y avait des marches. Sur cette feuille, il y avait écrit, voilà, il y a la marche le mardi et le jeudi. Ah, alors, je dis, tiens, c'est pas mal, mais comme je connaissais pas trop la région... C'était où la cure, hein? Vous la faisiez où? À côté de du boulot, à Amélie-les-Bains, si vous connaissez. D'accord, oui, oui. Donc, c'était mon docteur qui m'avait envoyé. Oui. Et alors, j'ai dit, c'est très bien, puisqu'il y a des marches, moi, qui marchent chez moi un petit peu. Je ne suis pas une grande... Mais enfin, je fais des petites marches chez moi. Et alors, donc, je lisais ça, et puis, une fois que j'ai posé cette feuille, quelqu'un s'est approché, il m'a dit, écoutez, moi, si vous voulez marcher, demain, nous avons une marche, parce que c'était le lundi, je suis rentrée un dimanche, puis la cuire commençait le lundi. Et il m'a dit, écoutez, si vous voulez cet après-midi, nous allons marcher, je vais vous faire connaître des petits endroits, là, Donc alors, il avait le secret, il vous avait repéré lui. Hein. Et alors moi, j'ai dit écoutez, je suis ravie parce que justement seule, je serais embêtée de marcher seule parce que j'appréhende avec tout ce qui se passe, vous comprenez. J'ai dit écoutez, je suis ravie de si vous m'accompagnez pour faire des petites randonnées. Un compagnon de route, oui. Et puis après, le lendemain, nous sommes allés donc participer avec tous les autres marcheurs. Oui. Et comme ça, on s'est mis à parler. Il m'a parlé de son problème aussi. Lui aussi, il veut un foyer. Oui, d'accord. Il s'est occupé beaucoup de sa femme. Elle a été malade pendant 8 ans, moi pendant 4 ans.
Et voilà, alors d'une chose à une autre, on s'est très très rapprochés. Et voilà, on est tombés vraiment amoureux l'un de l'autre, voyez. Ah, c'est formidable. Pendant le temps de la cure, remarquez, ça dure assez longtemps, une cure, non? 3 semaines. D'accord. Et vous l'aviez rencontré à votre arrivée, cet homme? Lui, ça faisait déjà une semaine qu'il était là et qu'il m'a dit qu'il ennuyait un petit peu, puisqu'il était seul. Ça a dû embellir votre séjour, là. Hein, et alors, moi, j'étais vraiment ravie. Ça a dû vous faire, cette cure a dû vous faire un bien fou. C'était pas prévu au programme, ça, des soins, mais bon. Vous, en plus de la cure, il y avait cette rencontre, mais alors c'était un rêve. Oui, je comprends, oui. Je comprends. Ben, vous l'avez dit à votre tour à votre médecin, parce qu'il pensait pas, la prescription, là, vous faire une petite cure pour vous remettre en forme, il pensait pas que l'amour serait au rendez-vous. Et alors, moi, je suis éblouie, je suis tellement. Ben, je comprends, oui. Dans un monde que je me dis. Comment tu as pu, à ton âge, 68 ans, et c'est-à-dire que c'est génial, je recherchais cette affection que j'en étais un peu privée dans ma vie de femme. Je m'étais tellement donnée pour l'éducation de mes enfants. Oui. J'étais femme, j'étais épouse, j'étais épouse et mère, mais je me suis un peu oubliée, vous voyez. Oui, là vous découvrez quelque chose de nouveau. De merveilleux, parce que j'avais un mari qui n'était pas très affectueux, en fait. Et je donnais tout le temps. J'ai toujours donné, vous voyez. Alors que cet homme-là prend soin de vous. Et m'a manqué, en fait. Ah oui. Et alors, je me dis, mais le problème, c'est pour ça que je vous appelle un peu aussi, c'est qu'il habite très loin, vous voyez. Mais très loin, c'est-à-dire qu'il est en France, quand même. Ah oui, tout à fait. Il est près de la frontière, là. Suisse. Et oui. Et moi qui suis à la région toulousaine, vous comprenez, je lui ai posé cette question. Je dis, tu sais, on ne pourra pas trop se voir longtemps. Mais il m'a dit, c'est vrai qu'on est un peu loin. Et puis bon, lui, il est un peu plus âgé que moi, de 7 ans, vous voyez. Je lui ai dit, moi, ce n'est pas un problème, l'âge. Ce que je recherche, c'est un peu d'affection, d'amour, quoi. Que j'en étais privée pratiquement longtemps. Et alors voilà, je suis là dans le doute un peu. Est-ce que je vais continuer, mais je ne peux pas non plus couper court comme ça, parce que, vous voyez, il m'appelle au téléphone maintenant. Et pour lui aussi, il a retrouvé en moi quelque chose qu'il attendait. Attendez, c'est quand même une bénédiction, je trouve, cette rencontre, comme vous dites. Vous pensiez pas du tout retomber amoureuse. Enfin, vous disiez peut-être retrouver un peu d'affection. Et là, vous êtes vraiment submergée, bouleversée par cette rencontre. Vous dites, vous êtes sur votre petit nuage. Donc, bien sûr que bon, il y a cette distance géographique qui complique un peu la situation, mais en même temps, vous êtes très disponible tous les deux. Oui, tout à fait. Et en bonne santé, même si vous vous êtes rencontrés. Oui, pas trop, un petit peu moins que moi, parce qu'il a un petit problème de santé, oui. Mais ça n'empêche pas que, vous voyez, il fait des marches très importantes que je me demande, vu sa santé. Mais je dis, moi, je ne peux pas suivre parce que j'ai de l'asthme et j'ai une bronchite chronique, vous voyez. Et il m'a ébloui par sa prestance, par son éducation. C'est pour ça, je pense que vous pouvez. Je veux dire, c'est pas comme si vous aviez des contraintes ou vous étiez dans votre. Par rapport à votre travail ou des enfants à charge, obligé d'être limité. Bon, dans le temps, alors que là, vous pouvez aller vous voir et passer vraiment beaucoup de temps ensemble, à la limite. Oui, tout à fait. Au départ, ça peut être des week-ends prolongés, mais si vous avez envie de passer une semaine, 2 semaines, 3 semaines ensemble, vous pouvez le faire. Voilà. Mais voilà, parce que moi, je ne peux pas quitter ma maison. Je suis trop bien, j'habite à la campagne, j'ai un cadre magnifique. Et lui, bien sûr, il a sa maison aussi, puis il a ses occupations. Et moi, c'est pareil un peu quand même, vous voyez. Et alors, bon, je ne sais pas. Alors, je me dis, est-ce que je m'attache et puis qu'on ne se voit pas souvent, est-ce que ça va durer? Est-ce que moi, de mon côté... Oh, vous verrez bien, laissez-vous porter. Je trouve que, vous savez,
éblouissement dont vous parlez, vous êtes émerveillée. Je pense que cet homme doit le ressentir aussi. Enfin, il y a quelque chose de... je trouve que parfois, à cette période de la vie, c'est comme dans les amours où on est de la jeunesse, où on retrouve vraiment... On est littéralement porté parce qu'on a... Tout le temps, on a vraiment une réelle disponibilité pour s'aimer. Alors que parfois, dans le temps adulte, où on travaille, où on a des enfants à charge, on a moins de temps à consacrer à la relation amoureuse. Exactement. Alors que là, vous pouvez vraiment vous y consacrer et d'autant plus l'apprécier que vous êtes veuf tous les deux. Enfin, voilà. C'est vraiment un très beau cadeau, quoi. C'est ce qui m'a plu aussi parce que je n'aurais jamais. J'ai beaucoup de morale, vous voyez, et ça m'aurait fait de peine de briser notre foyer, vous voyez. Donc pour moi, ça a été une révélation, mais c'est quelque chose de merveilleux. Mais oui, c'est pour ça, je pense. Tous les tabous sociaux, tout ce qui a pu me freiner dans quoi que ce soit, se sont envolés, vous voyez. Mais c'est bien parce que je ne sais pas si vous étiez à l'écoute hier, la discussion qu'on avait, vous voyez, justement avec cette auditrice qui disait que ça faisait 17 ans qu'elle était seule. Et puis il y a une autre auditrice qui a appelé, elle disait qu'aussi, elle avait l'impression de faire peur aux hommes. Enfin, oui. Vous parlez de... Moi, je le lui dis de voir des rencontres comme ça, de marcheurs, vous voyez. C'est là qu'on peut rencontrer quelque chose. Parce que moi, j'adorais danser, vous voyez. Oui, mais je crois qu'il faut une disponibilité aussi. Je n'arrivais pas à trouver quelqu'un qui correspondait à ce que je cherchais, voyez. En dansant, on aurait pu se rencontrer, quelqu'un pourrait pu me... Mais non, il y a aussi un facteur, à un moment, chance, quoi. C'est un petit coup de pouce du destin, c'est inespéré, vous le dites vous-même. Oui, bon, c'est vrai. Vous espériez, vous caressiez l'espoir de pouvoir à nouveau vivre une jolie relation, faite de, comme vous dites, trouver un peu de la tendresse, une certaine affection. Mais là, c'est bien au-delà de ça. Vous êtes sur votre petit nuage, comme quand on est amoureux et qu'on est littéralement porté par ce que l'on vit. Oui, c'est vrai. Donc, et cet homme doit ressentir les mêmes choses. Bon, vous étiez là, au bon moment, au bon endroit, vous êtes trouvé. Je veux dire, après, les distances aujourd'hui, c'est plus comme avant quand même. Vous voyez, avant, ça aurait été un vrai problème d'être dans des régions éloignées. C'est vrai que lui, en voiture, il trouve que c'est un peu loin, mais bon, il m'a dit, il n'y a pas, on prendra l'avion, on viendra... Ça sera comme des petites des vacances, voyez. Mais complètement, c'est voilà. Ça. C'est-à-dire que vous pouvez vous voir plus que le temps d'un week-end, puisque vous n'êtes pas retenu par un travail, par des enfants, Donc vous pouvez vous consacrer pleinement à cette histoire. C'est vrai que moi, l'idéal, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui soit pas vraiment trop loin, mais qu'on puisse se voir chacun. Vivre chacun chez soi. Oui, je comprends pouvoir partager, vraiment être. Mais aujourd'hui, vous pouvez déjà beaucoup vous appeler, vous pouvez vous envoyer des textos, vous pouvez. Et puis après tout, vous ne savez pas comment ça peut évoluer. Peut-être que vous allez. Votre histoire va prendre une telle tournure que vous aurez envie de passer de plus en plus de temps ensemble et peut-être de vous rapprocher. Qui sait, peut-être, lui va vouloir, va peut-être se rapprocher de vous du côté de Toulouse, ou c'est vous qui allez. On ne sait pas ça. Moi, je ne pourrais pas y aller chez lui. C'est ça que. Vous verrez bien. Pour le moment, vous savez, on se gâche parfois un peu les moments comme ça de félicité, de bonheur qu'on l'on vit, en se projetant dans l'avenir. Dites-vous que c'est déjà. Une chance inouïe que cette rencontre ait eu lieu, que vous vous plaisiez, que vous soyez tous les deux sur votre petit nuage. Il faut savourer ça. Mais... Pour le moment, vous verrez bien. Après, vous voyez les problèmes, s'il y a problème. En tout cas, la distance, bon, vous dites dans l'idéal, mais on n'a jamais l'idéal. Il y a toujours un petit truc. Tout à fait. Il y a toujours quelque chose. Vous sortiez près de chez vous, vous alliez danser, mais près de chez vous, vous en avez croisé des hommes. Ils ne vous ont pas fait cet effet-là. Je n'ai pas eu tellement de... C'est le coup de foudre, si vous voulez. Un coup de foudre, on ne passe pas à côté.
Voilà, et là, en tout vraiment... cas, ça plaît vraiment à ceux qui nous écoutent, parce que il y a Margaret qui dit « Chic, ça commence par une belle histoire d'amour. Madame, j'espère que ça va durer longtemps pour vous. » Et puis, il y a Colombe qui dit « Ne vous posez pas tant de questions. Vivez pleinement cette histoire. Je vous souhaite plein de très belles choses. » Et puis, il y a Sergio qui dit « Mais si vous parlez d'une cure thermale, c'est plutôt une véritable cure de jouvence. C'est trop beau. Content pour vous, amie toulousaine. » Écoutez, moi, je... Le problème, c'est que je n'en dors pas parce que je me fais... mais oui, plus, mais... Il m'a appelé lundi et puis ce soir, alors je dis, mais c'est pas vrai. Peut-être. C'est génial. Mais oui, vous imaginiez tout sauf ça, quoi. J'étais surprise. Mais je comprends aussi que ça, c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça, parce que je disais que j'en parlais hier, justement, de se laisser surprendre, de se laisser emporter. S'il y a des moments dans la vie, il y a vraiment des moments rudes, des temps difficiles ou des moments où on est un peu enlisé dans une routine, dans quelque chose d'un peu monotone. Et puis, d'un coup, il y a quelque chose qui peut surgir comme ça et qui peut faire que, à nouveau, on se sent extrêmement vivant, vibrant. Et surtout pas résigné. Voilà, les choses sont ouvertes. Donc, ne mettez pas trop de problèmes pour le moment. C'est déjà une chance de vous être rencontrés. Oui, ça, c'est vrai. Mais c'est vrai que. Je suis vraiment fou, là, c'est quelque chose. Que... Ben oui, comme quand on est amoureux, on est, ça nous agite beaucoup, ça nous porte, on est en. Bon, mais c'est quand même une très belle chose de pouvoir vivre ça à nouveau, comme vous dites, à 68 ans, après l'étiez veuve. Bon, mais bon bah alors. Il est fait pas, vous voyez, il est très jeune, il est très. Ouais. Bon, mais moi, je recherchais. Bon, c'est vrai que j'avais quand même un idéal aussi, hein. Oui, mais bon, écoutez, vous recherchiez, et finalement, ce que vous recherchiez, vous ne le trouviez pas près de chez vous. Voilà. Donc, cet homme, il était là, à ce moment-là, il partageait le même instant, profitez-en. Vous savez, c'est ce que dit Roxane, qui envoie un petit message, en disant, vaut mieux se voir moins souvent, mais bien, avoir des moments de qualité, que tout le temps est mal, donc, bon. C'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai toujours dit, je ne voudrais pas quelqu'un qui soit là. Parce qu'après, la routine va s'installer, parce que j'ai beaucoup d'amis. Mais oui, vous aurez les joies des retrouvailles, vous allez avoir... Oui, ça c'est vrai. Donc, je me demande, malheureusement, si elles ne vont pas être assez rares, parce que... Non, c'est à vous. Ça, c'est, pour le coup, ça dépend de vous maintenant. Ça dépend de vous deux. Non, mais ça dépend, oui, de vous deux. Ça dépend de vous deux. C'est ça, bon. Tout à fait. Donc, à vous de faire en sorte qu'elles ne soient pas rares. Oui, mais... Bon. Mais j'en vais essayer. Vous avez tout entre vos mains, là. Vraiment. Oui. Donc, profitez-en et savourez, savourez cette belle histoire. Merci en tout cas de l'avoir partagé avec nous, Irène. Mais écoutez, je vous remercie infiniment, Caroline. C'est moi. Au revoir. Au revoir, belle soirée. Au revoir. Allez, merci, Caroline. Bonsoir. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. La libre antenne de Caroline Dublanche, c'est du dimanche au jeudi de 23h à 1h sur Europe 1. Ah, ça vous plaît cette belle rencontre dont nous parlait Irène alors qu'elle était partie en cure thermale. Poupic dit, oh là, moi si je serais à sa place, franchement, je me poserais pas tant de questions. Bonne nouvelle vie à elle. Et puis Guillaume de Bayeux qui dit, mais profitez de cette histoire. Guillaume qui a eu un début d'histoire d'amour en janvier. Malheureusement, la personne n'a pas souhaité poursuivre la relation. Donc profitez pleinement. Et puis c'est ce que dit aussi Linda, vivez cet amour pleinement. Sans trop vous poser de questions. Mais on est ainsi fait que souvent, quand il y a un bonheur comme ça, quelque chose, on se dit, est-ce que ça va durer ? On a cette peur, cette anxiété, certains plus que d'autres parce qu'ils sont plus anxieux, de dire comme si tout n'était pas réuni ou que justement ce bonheur allait voler en éclats. Mais c'est important de savoir savourer parce que c'est quand même une rencontre. Il y a aussi un facteur chance. On rencontre pas tous les quatre matins des personnes avec qui nous font vibrer à ce point-là. Et à n'importe quel âge, c'est ça qui est en plus formidable. C'est que il faut s'en rappeler les jours difficiles, les jours sombres, qu'il peut y avoir vraiment quelque chose qui peut surgir comme ça et nous emporter. Bonsoir Séverine. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci d'avoir pris mon appel. Mais je vous en prie. Vous voulez me parler de votre travail, vous?
Oui, tout à fait. Mmh. Je travaille dans le social. Oui. Depuis peu, depuis le mois de janvier. Oui. Et je rencontre des difficultés dans ce poste, puisque c'est un poste qui demande d'être à l'écoute et puis surtout d'être en réunion tous les lundis. Et ces réunions me posent beaucoup de problèmes, puisque je suis là pour prendre des notes et pour faire des comptes rendus. Mais ceci dit, c'est une réunion d'équipe et j'entends énormément les histoires de familles qui sont hébergées dans ce centre dans lequel je travaille. Ce sont des familles que vous accueillez, d'accord. Oui, tout à fait. C'est un centre d'hébergement social, de réinsertion sociale. Mmh. Et donc, ce qu'il se dit est difficile à entendre et difficilement supportable pour moi. Alors, ça remet beaucoup en question la suite de ce contrat. Je suis un peu dans le doute pour ce renouvellement. Est-ce que je dois continuer? Parce que vous devez... c'est-à-dire que le contrat, vous êtes en période d'essai, là? Non, c'est un contrat de 6 mois qui se renouvelle. D'accord. Donc vous ne savez pas, vous êtes perplexe par rapport à la suite à donner. Ces histoires donc de vie difficiles certainement, puisque vous voyez des familles qui sont dans une souffrance, vous atteignent, vous? Oui, des situations de famille, de couple, mais aussi avec des enfants, bien sûr. En étant jeune maman depuis peu, depuis 12 mois, depuis 13 mois, donc effectivement, ça m'est insupportable. Et puis je me demande pourquoi ça existe, pourquoi cela existe, et j'arrive pas à m'y faire. Donc, pourquoi cela existe? Quoi? C'est-à-dire le fait qu'il y ait des familles comme ça en errance, des... Oui, comment vous expliquer, c'est un peu délicat d'expliquer des situations, parce que ce sont donc des familles qui s'occupent très mal de leurs enfants, dont on doit faire des signalements pour la protection de l'enfance, des violences sur l'enfance, sur l'enfant, des bras cassés. Enfin voilà, des choses quand même difficiles à entendre. Oui, je comprends que ça vous bouleverse, d'autant plus que vous vous identifiez, vous, en tant que jeune maman, là, d'un petit enfant. Vous pouvez être côtoyer des situations qui... Enfin, on parle devant vous d'enfants qui peuvent avoir l'âge du vôtre, ou en tout cas, vous vous projetez dans ces situations. Ça vous angoisse? Oui. De toute façon, Séverine, c'est compliqué, je pense, et heureusement, dans un sens que ça le reste, et qu'on ne s'habitue pas à ces situations. Je peux vous dire que pour avoir travaillé auprès d'enfants maltraités, c'est quelque chose qui atteint terriblement, qui affecte et qui laisse des traces, enfin... Alors, et d'autant, mais si vous voulez, on peut, tout dépend ce que l'on fait, c'est-à-dire quand on peut agir, quand on a le sentiment de pouvoir agir, déjà, ça protège l'action. Vous me dites que votre travail consiste à prendre des notes, à faire des comptes rendus, donc vous entendez comme ça, vous êtes un réceptacle de choses très bouleversantes, de faits très bouleversants. Mais vous ne pouvez pas vous exprimer votre point de vue ou dire on va prendre telle directive. Voilà, vous vous sentez très passive par rapport à ça. C'est justement là où le bas blesse, parce que c'est là où est toute la difficulté, je pense. Et donc le social, je ne connaissais pas. Comment vous êtes arrivée là? Qu'est-ce qui fait... Écoutez, ça a été très très étonnant, parce que j'ai débuté ma recherche d'emploi le 2 janvier. Oui. J'ai été contactée, donc j'ai répondu à une offre d'emploi
envoyé par Pôle emploi. Oui. Et comment j'ai répondu ? J'ai été contactée le 3, le lendemain. J'ai eu un entretien le 4. Et j'ai été prise sur ce poste très rapidement. Oui, ça a été très très vite. Et vous avez été parachutée dans un univers que vous ne connaissiez absolument pas. Non, non, je m'attendais pas du tout à. Enfin, je relève le défi parce que c'est vrai que bon, j'ai besoin d'une activité professionnelle pour mon épanouissement personnel. Oui. Je suis une femme active. Bon, j'élève seule mon enfant. Moi-même, c'est vrai que je pense aussi que j'ai un problème d'écho dans ces situations que je rencontre au travail par rapport à ces familles, c'est que moi, ça fait écho aussi en moi-même, hein, sur mon histoire personnelle. Voilà, ça a été vraiment, oui, parachuté dans ce travail. Mais je me dis, bon, je vais m'adapter, on va s'accrocher. Mais là, c'est vrai que la dernière fois, c'était lundi, donc hier, j'ai dû quitter la réunion car je n'ai pas pu continuer. C'était trop dur. Alors, vous pouvez en parler avec l'équipe. Quel lien, quelle relation avez-vous avec les éducateurs, avec... Ils vous ont demandé, j'imagine, bon, pourquoi vous quittiez la réunion. Bah, c'est-à-dire. Oui, j'ai été reçue ce matin par ma chef de service, oui, qui m'a dit, bon, écoute, on va en parler. Hein. Et puis, oui, elle me dit bien, le bureau est ouvert à tout moment. Mais, oui, mais tout de suite est venue la question, bah, voilà, il y a aussi le renouvellement qui va se faire. Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu fais ? Donc, on m'a dit, il faut que ça chemine en toi, il faut que tu te poses la question. Oui, bien sûr. Oui, il ne faut pas que vous y laissiez... trop de plumes, ma enfin santé. Que ça, voilà, que ça vous, oui, ouais, que ça, oui, vous affecte trop, de façon trop, oui, pénible, ça, hein. Un échec de pas avoir réussi à, ah, pas du tout, surmonter cela. Non, non, ouais, non, non, non. Il faut, ça serait pas un échec. C'est important de savoir, de connaître ses limites. Et, ouais, et de savoir se protéger. Il y a des choses, vous savez, il y a beaucoup de personnes, je pense et j'imagine même parmi celles qui nous écoutent, qui pourraient se dire non, c'est pas pour moi, je pourrais pas travailler dans un lieu où il y a des enfants, où on est confronté à de la violence sur enfants, j'arriverai, ouais, pas en rentrant chez moi à fermer la porte et à ne pas emporter toutes ces histoires. Et quand on ne peut, ouais, pas le faire, et c'est tout à fait respectable de dire qu'on ne peut pas le faire, enfin, et ça s'entend et ça se comprend, bah, il faut pas se mettre en danger. Ouais. Parce que, si vous voulez, c'est... Alors, après, vous me dites, c'est là où j'ai pas bien compris, vous dites ça résonne, ça fait écho à des choses de votre histoire ? Oui, bon, j'ai été moi-même victime de violences conjugales. Ça a été très difficile. Puisque j'ai été dans les griffes d'un pervers et d'un manipulateur. Ça a été très difficile, cette période. Et on en ressort jamais indemne. Je pensais que ça faisait partie du passé, et c'est à travers ce poste qui, justement, ça remonte en moi, ça. Oui, la violence, mais c'est pas étonnant, parce que la violence, ça c'est pas ricoché, hein, ça s'inscrit profondément en nous, à la fois physiquement et dans notre psychisme. Donc vous êtes confronté à des situations où il y a de la violence. Et ça vous renvoie, oui, à vous-même ce que vous avez vécu. Alors, peut-être que vous avez été accompagnée psychologiquement au moment où vous avez eu cette relation-là avec cet homme. Enfin, après, je veux dire, quand vous avez décidé d'en sortir. Oui, tout à, oui, fait. Oui, je suis suivie en thérapie. Ça fait déjà 5 années que je suis en thérapie. Je suis aussi... je prends un traitement... enfin, anxiolytique, car je suis une personne qui est de nature très anxieuse. Donc, j'ai déjà ce combat personnel à mener, oui, à me battre contre moi-même. Bon. Et j'ai l'impression que je peux pas, c'est trop lourd. Mais trop lourd, vous avez le droit, en fait, de dire que c'est trop lourd, Séverine. Oui.
voyez, c'est aussi justement ce que vous apprend certainement ce travail sur vous-même, c'est ne pas aller vers des choses qui vous font du mal. Vers des gens ou vers des situations. Oui. C'est-à-dire que cet homme, aujourd'hui, en travaillant sur vous, sur cette faille qu'il y avait en vous, ça va vous permettre, en l'identifiant, en pouvant mettre des mots là-dessus, en vous reconstruisant petit à petit, vous éviterez les personnes qui peuvent être toxiques pour vous. Mais de la même façon, évitez aussi des situations qui vous fragiliseraient trop. Voilà, je suis vraiment devenue fragile et je n'accepte pas. Alors, attendez, si vous pouvez me permettre, j'ai envie de dire que peut-être il y avait une fragilité en vous dont vous n'aviez pas conscience. Et la relation que vous avez vécue de violence avec cet homme a mis au jour cette fragilité. Et là, vous êtes en train de travailler dessus, de l'identifier, de mettre des mots sur ce qui vous fait mal. Et donc, vous avez le sentiment d'être plus fragile. Mais je pense qu'elle était là et que c'est au contraire, en pouvant en parler comme vous le faites, en étant accompagné, que vous en sortirez certainement plus solide que vous ne l'étiez. Mais en tout cas, vous êtes un peu actuellement peut-être comme une éponge aussi, très particulièrement hypersensible à tout ce qui a trait comme ça à des situations de violence. Bon, et de toute façon, la violence, encore une fois, ça nous affecte, hein, tous tel qu'on soit. Et c'est bon signe d'ailleurs que ça nous affecte, parce que ça veut dire que on a en nous de l'empathie. Voyez, ce qui serait inquiétant, c'est que vous ne soyez pas du tout touché ou comme si vous vous sentiez pas concerné. Bon, enfin, en tout cas, ça serait peut-être pas inquiétant, mais ça veut dire que vous mettriez vraiment comme une barrière. Enfin, oui, vous prendriez des notes un peu comme un robot, mais en vous détachant de ce qui est dit. Je sais pas. Bon, vous ne l'êtes pas, non. Maintenant, c'est par rapport au terme d'échec que vous évoquez où je ne suis pas d'accord. Je trouve que le travail sur soi, la thérapie, aide aussi à éviter de se mettre dans des situations qui sont mauvaises pour nous. Et après tout, si ce travail vous fragilise trop, vous avez le droit de dire que c'est pas possible. Alors, j'entends aussi qu'il y a une réalité économique et financière et que vous pouvez avoir besoin de travailler. Et vous dire que ce travail, il vous le faut. Oui, et puis c'est un épanouissement. Pas dans ce que vous décrivez, hein. Non, malheureusement, là, non. Bon, c'est, voilà. C'est là où. Mais à ce moment-là, vous pouvez aussi vous dire que travailler, oui, bien sûr, que vous ne perdez pas de vue cette idée-là, mais que songer à poser d'autres jalons dans des choses ou dans d'autres domaines. Ouais. J'ai eu il y a 5 ans, j'ai traversé une très très grande dépression, hein, où j'ai eu plusieurs hospitalisations. Et c'est vrai que j'ai l'impression que si je mets un terme à ce poste, ça va être à nouveau des pensées négatives, des idées noires, de me dire qu'est-ce que je vais devenir. J'ai une peur énorme de l'avenir. Mais alors, est-ce que vous ne pourriez pas, à ce moment-là, déjà commencer, à poser des jalons, à faire une recherche sur d'autres postes? Oui. Pour effectivement ne pas quitter la proie pour l'ombre. On ne lâche pas la proie pour l'ombre. C'est vous dire, vous ne continuez pas là, mais vous cherchez ailleurs. Oui. Parce que j'entends votre crainte de l'avenir et le fait de vous dire, en étant inactive, d'avoir plus d'idées noires. Ce ne serait pas une bonne chose. Mais si en même temps, dans le travail que vous faites, ça accentue votre anxiété... Ouais. Est-ce que c'est aussi une bonne chose pour vous? Ouais. C'est pas le fait de travailler qui est à remettre en question. C'est le type de travail, c'est de, là ou dans quelque chose qui vous angoisse. Oui.
Bon, vous pouvez en parler, ça vous laisse le temps, hein, encore juillet. Vous pouvez en parler de toute façon, et j'imagine que vous le faites avec votre thérapeute, qui vous connaît, qui voit comment vous pouvez... Je vais la voir jeudi, donc effectivement jeudi, ça va être quelque chose d'important. Oui, et d'ailleurs, et vous pouvez faire plusieurs séances là-dessus, parce que ce sont justement vos craintes de... si vous devez vivre ce poste en y renonçant comme un échec et que ça vous plonge dans des idées noires, dans un état dépressif, bon, évidemment, ça mérite réflexion. Mais en même temps, restez... Et vous angoissez chaque jour davantage, c'est pas non plus l'idéal. Hein. Donc il y a certainement d'autres voies possibles. Puisque regardez, quand vous avez mis, à Pôle Emploi, tout a été très vite. Donc ça veut dire que vous avez des compétences, qu'on vous contacte, que bon, vous avez un potentiel. Hein. Donc ce qui a marché pour ce poste peut marcher pour un autre. J'aurais jamais imaginé que cela existait. Enfin, je veux dire, j'étais loin d'être dedans, dans le vif du sujet. Ça m'anéantit, en fait, c'est vrai. Oui, mais si ça vous anéantit, ça va pas. Alors, vous pouvez aussi, par rapport... Il y a Elisabeth qui a appelé le 39-21 pour dire que, étant donné vos antécédents, le traitement que vous prenez, vous pouvez aussi en parler à la médecine du travail et vous pouvez être déclaré inapte au travail le temps pendant un certain temps pour vous laisser. Ça peut être aussi une solution provisoire pour vous retourner et envisager autre chose. Ah oui. C'est fort être inapte au travail. Non. À ce poste-là, j'étais sûre que vous alliez réagir là-dessus et je voulais. Voilà, vous avez rebondi avant même. Non, je n'ai pas dit que vous étiez inapte au travail. Non. À ce poste-là, vous êtes en train de faire une confusion et justement, le risque, hein, peut-être, mais ça, vous en parlerez avec votre thérapeute qui vous connaît, elle, et qui pourra mieux apprécier avec vous. Le risque, c'est que en continuant sur ce poste-là, vous pensiez que vous êtes inapte, justement, que vous n'êtes pas capable. Vous pouvez aussi vous déprécier. Ce qui n'est pas le cas. Vous pouvez simplement ne pas supporter, et ça peut se comprendre, d'être exposé comme ça à des situations de souffrance. Ou en plus, votre poste même de travail, c'est un travail de secrétariat finalement, où vous consignez ces violences, mais vous ne pouvez pas être active comme l'est l'équipe éducative qui, elle aussi, elle en prend plein de figures, mais peut dire, bon, qu'est-ce qu'on fait pour cette famille? On met en place un signalement. Vous voyez, il y a l'action qui soulage, qui libère, qui permet de dire, on fait quelque chose pour ces enfants. Alors que vous, vous consignez, et puis à un moment, vous pouvez plus, quoi. Vous voyez, je reçois un message qui dit « J'ai fait médecine pour être pédiatre hospitalier. Et le jour où j'ai été externe en oncologie pédiatrique, c'est l'oncologie, c'est le cancer, hein, je me suis rendu compte, comme Séverine, que j'étais incapable de supporter la souffrance des enfants. Ouais. » Cette personne dit « a fini médecine », mais bon. Il faut aussi avoir conscience, connaître ses limites, quoi. C'est pas, au contraire, c'est signe d'une certaine maturité. Hein. Donc songez-y et puis parlez-en avec votre thérapeute, vraiment. D'accord. Ouais. Merci de votre confiance. Merci. J'ai pensé à vous en me disant la fin de l'après-midi, je vais appeler Caroline parce que là j'ai besoin de. Vous sentiez perdu. D'avoir des conseils. Mais c'est très dur, c'est très dur d'être confronté à la violence. Donc ne vous dites pas que c'est pas parce que vous n'êtes pas capable. C'est de toute façon, vous savez, quand on travaille dans son domaine, on peut rarement le faire aussi plusieurs années. À un moment, il faut pouvoir se restaurer aussi, être dans d'autres voies. Moi, je sais qu'après avoir travaillé à Enfance et Partage, j'ai travaillé dans des crèches, j'ai travaillé dans des maternités, où justement j'étais dans une démarche plus de prévention, intervenir plus tôt, enfin, puis avec des enfants qui allaient bien. Vous voyez, on a aussi besoin de se réparer, de se récupérer. Voilà. Donc, parce que sinon, le risque, ça serait de fonctionner, de ne plus être atteint, justement. Oui, mais là, non, chez moi, ça ne pourra pas. Ouais, bon. Alors, prenez soin de vous. Ouais. Au revoir. Merci. Au revoir, Séverine. Au revoir. Au revoir, Caroline. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez nuit suivi de votre message par SMS au 7 39 21, 65 centimes plus coût d'un SMS. Bonsoir, Pierre. Oui, bonsoir. Bonsoir. C'est Caroline ? Oui, c'est bien moi. Oui, je suis un peu bouleversée encore par le témoignage qu'il y avait avant parce que
il y avait des ressemblances avec ce que a eu mon compagnon jusqu'à maintenant. Parce oui. que, voilà, j'ai mon compagnon qui a perdu son père l'année dernière au mois de décembre. Oui. Et, bon, depuis, ça va pas du tout pour lui. Il est tombé en dépression avec des pensées suicidaires. Oui. Et depuis, il est hospitalisé, bien sûr, en clinique. Oui. Enfin, c'est même lui qui l'a demandé, vous voyez. C'est bien. C'est, oui, c'est bon c'est signe lui. Qu'il puisse demander à être, être dans un milieu protégé. Voilà, il, bon. Ouais, pour être en sécurité, justement. Oui, oui. Mais... c'est le mot qu'il a employé. Eh oui, oui, oui. Mais c'est bien qu'il, qu'il puisse faire cette démarche. Ça veut parce dire qu'il a... il avait peur. Oui, il avait peur de faire. Oui. Voilà. Et même, bon, il me le disait, il cherchait même le moyen de ne pas le faire, vous voyez. Oui, c'est terrible. Non, mais en même temps, ça veut dire que il y a une partie de lui qui reste vraiment bien axée dans la vie et qui oui. qui veut se sortir de tout ça puisque il est encore en mesure à même de demander à ce qu'on prenne soin de lui. Oui, c'est ce que un peu je lui ai dit il y a pas très longtemps, je lui ai dit c'est que tu tiens la vie. Oui oui. Ah oui ouais. oui, forcément. Parce que bon, bien sûr, je vais le voir tous les week-ends. Je suis son seul contact parce que si vous voulez, bon, il a eu une adolescence un peu difficile avec ses parents. Bon, il n'a jamais été très bien compris. Il n'a pas pu faire les études qu'il voulait faire. Il n'a pas pu. Bon, il n'a jamais pu s'exprimer. Bon, il a une famille où il a eu 4 enfants. Bon, moi, je connaissais son père et ses parents et on avait de très très bonnes relations. D'ailleurs, j'ai toujours de très bonnes relations avec sa mère, que j'ai 2 fois par semaine au téléphone. Bon, c'est très très chaleureux, on se confie énormément. Oui. Et bon, je connais bien toute l'histoire et c'est vrai que voilà, bon, pendant des années, il a été à l'étranger pour justement s'éloigner de sa famille, même de ses frères et sœurs. Et là maintenant, le temps qu'il est hospitalisé, il veut pas les avoir au téléphone. Oui, 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 il ne veut pas. Voir. Oui, oui, parce que ça ne lui ferait pas forcément du bien, au contraire. Voilà, et il ne veut pas qu'ils viennent le voir, justement, dans cette clinique. Ils ne veulent pas qu'ils le voient dans cet environnement. Vous voyez, ça montre que, quand même dans ce moment de grand désarroi, hein, de grande détresse qu'il traverse, il arrive quand même à savoir ce qui peut être bon pour lui et ce qui peut être mauvais. C'est pas mal. Oui, il a des ressources, votre ami. Hein. Oui, oui, c'est ça. Et bon, nous, on est très, très liés. Ça fait 20 ans qu'on est ensemble, vous voyez. Oui, oui. Et on est très fusionnels. Bon, moi, quand je suis arrivé, quand on s'est connus, c'est la première fois qu'il a parlé à ses parents de son homosexualité. Oui. Et ça s'est très, très bien passé. Moi, j'ai été énormément acceptée. Je m'entendais très bien avec son père. Même, bon, quelque part, moi, j'avais perdu mon père jeune, donc je retrouvais quelque part... un adulte homme voilà qui correspondait vous voyez, à ce qu'était mon père donc je m'entendais très bien et voilà bon on a vécu jusqu'à maintenant très très bien et là bon c'est vrai qu'il y a 2 ans il a déjà fait une dépression hein, donc et là c'est une rechute qui s'est aggravée mais il y a eu la perte de son père là voilà mais bon il y a eu la perte de son père mais si vous voulez t'es en conflit tout le temps avec son père oui mais justement ça peut compliquer le travail de deuil. Voilà. Et si vous voulez, même le jour de l'enterrement, il a voulu prendre la parole et, en parlant de ça devant tout le monde. Des difficultés qu'il avait avec son père. Oui. Ah oui. C'est très courageux, j'ai trouvé, parce qu'il a voulu parler de ça au niveau devant tout le monde, devant toute la famille et les amis, et de dire bon que et à un moment il a jeté en disant bon papa je t'aime voilà. Oui, c'est toute son ambivalence. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à la fois, il avait besoin de dire, justement, devant toute la famille, tous ses proches, les amis... Devant sa mère, qu'il n'avait pas été entendu comme il aurait aimé l'être, que cette relation était difficile, qu'il n'avait pas été peut-être reconnu comme il aurait le souhaité. Oui. Et en même temps, bon, il fait aussi une déclaration d'amour à son père. Il est comme ça tiraillé. Oui. Et je vous disais, quand ça peut compliquer le travail de deuil, quand il y a une relation conflictuelle du vivant, des parents, c'est que, tant que les parents sont vivants, on peut toujours espérer, même si on se déchire, que ça va s'arranger. Or, la mort, avec
clos cette possibilité-là. Donc il y a aussi ce deuil de, ben, d'une relation plus apaisée, plus douce ou idéale, hein, finalement, qu'on peut garder dans un coin de sa tête. Comme si, même si on a des relations difficiles avec sa famille, on peut avoir dans sa tête une famille idéale qui fait d'autant plus souffrir cette image de famille idéale qui est en décalage avec la famille que l'on a. Oui, parce qu'en plus, il connaissait, bon, ses parents, ils n'ont jamais parlé du passé de la famille, oui. de son grand-père. Mmh. Bon, il a été élevé beaucoup par sa grand-mère, parce que la grand-mère vivait au domicile de ses parents, et c'est elle qui les accompagnait à l'école, qui allait les chercher, les parents travaillaient, ils étaient quatre enfants, et c'est la grand-mère qui s'occupait des enfants, et c'est pas les parents. Oui. Pour lui, il n'a pas été élevé par ses parents, voilà, c'est ce qu'il dit. Mmh. Oui, il y a un manque. Qui est tout le contraire de moi, parce que moi, je connais toute l'histoire de mes parents, de ma famille. Ça l'a toujours surpris au début qu'on s'est connus. J'ai une complicité énorme avec ma mère, qui est toujours là, hein, et même encore, qui a 87 ans, qui est très dynamique. Et donc voilà. Mais c'est bien parce que vous, le fait que vous ayez comme ça des relations très aimantes, très tendres avec vos parents, ça vous permet de faire face à ce qu'il vit. Enfin, voilà. Ça donne une assise, une solidité. Vous lui renvoyez aussi quelque chose de solide. Moi. Oui. Voilà. C'est ça. Je sais que je suis solide là-dessus. Bon, j'ai une mère qui est très solide aussi. Bon, qui a été dans le milieu hospitalier aussi. Donc, en plus. Et votre relation, elle est solide. Hein. C'est quand même une histoire de 20 ans. Hein. Donc, elle est très solide. On est il sait qu'il peut compter sur vous. Oui, vous êtes très bien. Oui, voilà, il sait. Voilà, il le dit. Il a dit. En plus, tu me pousses. Oui. Il me l'a envoyé en SMS. Il m'a dit, ça me fait du bien parce que tu me pousses. Voilà. Oui, c'est ça. Vous êtes le moteur. Voilà. Ce qui m'a fait du bien quelque part, ce qu'il a fait avec un peu d'humour en disant pas du mauvais côté. Vous voyez? Oui, c'est bien. Il vous a dit ça récemment, là? C'est bien, c'est bon signe qu'il garde son sens de l'humour. Ça fait 5 semaines qu'il est hospitalisé. Bon, il a un traitement lourd. Il va mieux? Vous trouvez un peu un progrès depuis? Moi, j'ai l'impression que, j'ose pas, vous voyez. J'ai l'impression que, c'est des petits pas par petits pas. Oui. Ça va légèrement mieux. Oui. Bon, là, il travaille avec une psychologue. Bon, c'est vrai que là, les mois de mai étaient difficiles. C'est beaucoup de jours fériés. Il y avait l'absence. Bon, le psychiatre, lui, il est là pour que les traitements. Oui. Hein, et il voit la psychologue qui discute. Et en plus, ça passe bien. Mais avant, il était suivi. Hein, ça fait, ça fait 15 ans de thérapie qu'il a. Il a eu un psychiatre. Après, il a eu un psychologue. Mais. Et puis là, il a été hospitalisé d'urgence. Il y a beaucoup d'éléments qui sont très favorables. Hein. Le fait que, vous voyez, malgré ce qu'il traverse, il plaisante avec vous, il peut plaisanter. Et le fait qu'il ait demandé, lui, à être pris en charge. C'est ça. Ça, c'est de très, très bons pronostics. C'est-à-dire que la personne, elle n'est pas dans le déni de ses difficultés, elle n'est pas dans une complaisance par rapport à sa souffrance. Oui. C'est-à-dire qu'il a envie de s'en sortir. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a cette souffrance qui l'envahit et qui lui ferait peur de dire qu'il va faire peut-être une bêtise. Bon, il dit « protégez-moi ». Voilà. Conscient. Voilà, parce que cette dépression a commencé aussi par des symptômes où il a eu des contractures musculaires dans le dos du dos. Et oui. Il a eu des crises de larmes énormes pendant une nuit où j'ai essayé de le calmer parce que je n'ai pas voulu appeler les pompiers parce que je me suis dit qu'ils vont me l'emmener. J'avais pas confiance, voyez, où qu'ils pouvaient me l'emmener. Et cette crise, donc j'ai essayé de le calmer par les caresses, etc. J'y suis arrivé, donc ça y a fait du bien. Après, le lendemain, il a vu, en plus il avait rendez-vous le lendemain avec le psychologue. Donc là, le psychologue l'a transféré chez un psychiatre. Et c'est là qu'il s'est fait hospitaliser. Oui, quoi. Puis il est bien pris en charge, parce que comme vous dites, il y a à la fois le psychiatre qui s'occupe de l'aspect traitement, et puis la psychologue avec qui il peut parler, et avec qui il a une bonne relation. Donc tout ça, ça va contribuer aussi à une évolution favorable. Et moi, là-dedans, des fois, je me sens complètement perdue, parce que je ne sais pas comment aborder les choses avec lui. Alors, on se voit, alors on a eu une période là où je le voyais les semaines et on se disait pas grand chose, mais je lui dis c'est pas grave si on se dit pas, on est tous les deux ensemble, vous êtes là, vous êtes présent, voilà, mais j'arrivais pas à trouver parce que
c'est difficile de lui dire, enfin, ça a l'air banal, mais de lui demander, j'ose pas lui dire, ça va, vous voyez ? Oui, vous avez raison, dans ces cas-là, il vaut mieux ne pas dire, et lui aussi, ça se comprend qu'il ait plus de mal à parler, parce que quand on est dans un état comme ça de dépression assez oui. quand même profonde, avec, comme vous dites, des idées quand même suicidaires, oui. Déjà, la dépression fait que tout est ralenti, y compris le oui. débit verbal, et puis la pensée oui. aussi, hein, les processus de pensée, de mémorisation, donc les personnes qui traversent une dépression parlent peu, hein. Là aussi, oui, c'est ralenti. Donc, oui. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il peut parler avec sa psychologue, où là, c'est oui. un temps particulier. Mais même oui. là, au départ, il faut déjà que le traitement agisse. Hein. On sait que au départ, les gens ont beaucoup de mal à parler. Et puis après, petit à petit, ça revient. Donc, avec vous, bah, vous êtes là et très aimant. Enfin, il oui, sait oui, qu'il peut oui, s'appuyer ça. Sur vous. Et voyez, vous restez... Oui, cette bon, relation en fait. Qui vous porte depuis 20 ans, vous vous oui, connaissez oui. très bien l'un et l'autre. Ça, oui. ça, ah, oui. Et puis en plus, bon, c'est vrai que la semaine dernière, il a refait une crise d'une journée ou deux, parce que, bon, ça fait un moment qu'il a été arrêté depuis le mois de février. Bon, en plus, là, ça commence, il a eu des problèmes au niveau de la sécurité sociale, parce que pour les indemnités, donc il va plus avoir ses indemnités journalières, donc ça l'angoissait. Bon, en plus, bon, là, il a obtenu les 100%, vous voyez, oui. parce que son médecin traitant avait demandé les 100%, donc il a obtenu, là, on a un recours. Bon, c'est très bien. Mais c'est bon, c'est moi qui m'occupe de tout ça. Parce voilà, que, mais c'est formidable parce que lui, il est pas en état. Voilà. On peut pas demander à quelqu'un qui est dans un état de dépression, qui avec des idées noires, voire suicidaires, de s'occuper de problèmes administratifs, de la prise en charge. Vous le déchargez de tout ça. Voilà. Vous le déchargez de oui. tout ça, de tout ce qui est compliqué, qui pour le moment lui paraît une montagne. Quand il ira mieux, bah, il pourra prendre le relais. Donc. Pour le moment, il est dans une bulle, il est protégé et il sait que vous êtes là, présent à ses côtés et que vous continuez à l'aimer. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre ? Enfin, c'est ce que dit Olivia, quel compagnon idéal que ce monsieur. Votre ouais. compagnon peut être vraiment fier de vous, belle preuve ouais. d'amour. Bon. Et là, si vous voulez, bon, là, son frère a fêté ses 50 ans, oui. il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas. C'était juste au début de son hospitalisation, parce que c'est le vendredi avant Pâques, voyez, je me rappelle, mmh. il a été hospitalisé. Oui. Donc, après son frère, c'est pour son anniversaire, il m'a dit, bah, tiens, je vais envoyer un SMS à mon frère pour lui souhaiter bon anniversaire. Oui, oui. Ah, bah, j'ai dit, ça c'est bien. C'est gentil. Ouais. Bah, je dis, moi aussi, de mon côté, j'enverrai un message mmh. à ton frère pour lui souhaiter son anniversaire. Parce que j'avais dit, je voulais pas aller à cette fête de famille. J'étais très bien, j'étais invité, bien sûr, et tout, mais je voulais pas y aller parce que sa mère a très bien compris parce qu'elle m'a dit, oui, il va y manquer quelqu'un, Pierre. Voilà. Il va y manquer quelqu'un. Il n'a pas envie de venir parce qu'il va y manquer quelqu'un. Et il avait demandé à son frère par SMS de ne pas lui répondre. Vous voyez ? À ce SMS qu'il envoyait pour lui souhaiter son anniversaire. Et son frère y a répondu en simplement disant merci. Bon. Et ça l'a mis en colère. Oui, mais on voit bien là aussi toute son ambivalence, parce qu'à la fois, il pensait à son frère, il avait envie de lui témoigner à ce moment-là son affection par ce message. Et bon, dans les faits, son frère a quand même respecté d'une certaine façon, et comment il a dû être touché, ça montre... Oui, il a pleuré. Bon, il a dû être très touché à ce moment-là. Il lui met un petit merci. Bon, ouais. il a été très sobre hein, dans sa réponse. Oui. Mais votre compagnon, en ce moment, il est à fleur de peau. Il réagit exactement. À tout. Et vous savez, ça peut évoluer, hein, la relation avec sa famille. D'ailleurs, oui. pour le moment, je comprends que dans cet état-là, vu qu'il avait des relations complexes, qu'il se protège, parce que ça pourrait trop le bouleverser, d'ailleurs, en positif ou en négatif. Donc, qu'il se protège d'émotions trop fortes. Avec oui. vous, il sait qu'il a cette stabilité, oui. cette sécurité. Vous connaissez très bien. Il se sent sécurisé par vous certainement, alors que sa oui, famille oui. peut être source de perturbations. Oui. Mais ça ne veut là, pas oui. dire qu'à l'issue de ce travail qu'il fait, de même le décès de son père, ils peuvent se rapprocher dans la fratrie et ça pourrait contribuer aussi à ce qu'il aille mieux peut-être. Et vous, ce qui est très bien, c'est qu'on vous sent très ouvert à tout. Vous voyez, vous oui. ne vous jetez pas de l'huile sur le feu, au non. contraire, vous faites en sorte d'être... Vous êtes très compréhensif, donc vraiment, c'est... Et là, je vois que sa maman, c'est pareil, parce que sa maman, j'ai sa maman au téléphone
toutes, deux, trois fois par semaine, me demande ses nouvelles et tout. Bon, je suis, voilà, je lui explique, la situation telle qu'elle est aujourd'hui. Bon, elle est au courant, pourquoi et tout, mais bon, elle se sent un peu désarmée. Oui, mais c'est bien parce que vous êtes vous faites un lien, parce que vous, comme vous avez une relation très aimante, très apaisée avec votre famille, ça vous permet d'apporter ce... Vous êtes un facteur d'apaisement pour votre compagnon. Et vous savez, j'ai envie de dire, quand vous vous demandez comment être, ne changez rien, quoi. Vous êtes très aimant, plein de voilà, tendresse pour lui. Continuez comme ça, je pense que vous le sécurisez beaucoup. Et que tout est mis en place vraiment pour qu'il aille mieux, y compris parce que lui a le désir d'aller mieux et que votre histoire doit beaucoup l'aider, il le dit lui-même. Donc oui, vraiment, oui, bon courage à vous et prenez quand même soin de vous dans cette histoire aussi. Oui, c'est ce qu'on me dit. Merci. Bah oui, voilà, prenez soin de vous, ménagez-vous des moments un peu de respiration. Bon courage Pierre, merci beaucoup de votre appel. Au revoir. De votre libre antenne et vous pouvez continuer à appeler bien sûr le 3921 pour me parler de vous. Vous pouvez à tout moment aussi réagir à un témoignage si vous vous retrouvez dans une histoire, si vous voulez apporter votre soutien, dialoguer en direct avec l'auditeur ou l'auditrice 3921. Vous avez également les mails à votre disposition europe1.fr ainsi que les SMS au 73921 en commençant vos messages par le mot nuit. Un peu de Bette Midler sur Europe 1 et après nous accueillerons Liliane. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Bonsoir Liliane. Oui, bonsoir Caroline. Bonsoir. Alors écoutez, moi je vous appelle parce que je suis un peu perdue. Je vous appelle même de l'île de la Réunion, il est un peu tard ici. Ah bon, il est quelle heure là? Il doit être 2h du mat peut-être. Oui, en effet, ça vous fait veiller tard. Et vous, la liaison est impeccable, hein, vous nous captez super bien. Vous captez bien Europe 1. Oui, j'écoute très souvent votre émission. Oui. C'est très intéressant et j'ai eu ce soir envie de vous appeler parce que moi je me retrouve dans une situation où je ne sais plus trop quoi faire et j'avais besoin de vos conseils, oui. Conseils des auditeurs ou enfin voilà quoi. Donc j'ai eu une vie assez, j'ai 37 ans et j'ai eu une vie assez compliquée sentimentalement parlant. J'ai dû quitter mon île à un moment donné suite à une déception amoureuse. J'ai pris un certain temps avant de rencontrer quelqu'un d'autre dans la région de Toulouse. Ouais. Toulouse est à l'honneur ce soir. Avec qui tout s'était très 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 bien passé. Oui. Seulement cette personne s'était donné la mort à un moment donné. J'ai dû quitter la métropole pour rentrer chez moi. Oui. Et là j'ai rencontré donc le père de mon fils. Qui n'avait pas forcément accepté ma grossesse, simplement. J'ai dû me retrouver toute seule à faire cette grossesse et à élever mon fils. Et aujourd'hui, j'ai pris un certain temps, j'ai rencontré quelqu'un qui était présent dans notre vie, on va dire, depuis l'âge d'un an de mon petit garçon. Oui. Et maintenant, ça fait 2 ans qu'on a vraiment concrétisé tous les deux. Je veux dire, on s'est rapprochés physiquement. Mmh. Et donc, une relation a commencé entre lui et moi. Je savais très bien qu'il était pris, qu'il avait quelqu'un dans sa vie, avec qui, d'après lui, ça n'allait plus. Mais maintenant, ça fait déjà un certain temps et rien n'évolue vraiment. Et il me dit que c'est terminé. On se voit très très régulièrement, mais rien ne se fait. Et puis là, ce soir, il m'annonçait que il se faisait une dépendance dans la maison de sa concubine. Et puis moi, je ne sais pas trop quoi faire, quoi. Je ne sais pas.
Oui, c'est contradictoire. C'est-à-dire qu'il vous dit qu'il ne se passe plus rien avec elle. Il se fait une dépendance pour vous dire qu'il ne, il ne partage plus le même lit, c'est ça? Enfin, qu'il veut. Bah, au fait, jusqu'à présent, a priori, il partageait le même lit, mais il n'avait plus de relation. Oui. Ça, je ne peux pas le voir. Hein. Je le faisais totalement confiance. Mais maintenant, la concubine qui s'était rendue compte que, mais de toute façon, il n'était pas là très. Enfin, il était de moins en moins présent. Et lui me dit que c'est parce qu'il veut, il faut que ça se fasse en douceur. Il veut pas non plus la mettre mal. Et oui, enfin ça, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Voilà. Et moi, parce que ça fait quand même 2 ans. Ça fait ça fait maintenant, ça fait maintenant 6 ans qu'on se connaît, qu'on se côtoie. Oui, mais ça... 2 ans que vous êtes dans une relation amoureuse, si je comprends exactement, bien. Exactement, ça fait plus de 2 ans maintenant qu'on est dans une relation amoureuse, Bon, donc, vous voyez, le fait de se séparer en douceur, je veux bien, mais enfin, il compte mettre combien d'années? Voilà, c'est ça, c'est ça. Donc, je veux bien, donc, là, je commence à douter et à me dire que si ça se trouve, c'est moi qui gêne, j'ai pas envie de faire souffrir quelqu'un d'autre, donc... Et je me dis peut-être que je sais pas si je devrais moi-même y mettre un terme, mais en même temps j'en ai vraiment pas envie parce que je me suis vachement attachée à lui. Oui, et mon fils aussi, donc j'aurais il a quel âge votre fils dans ma vie, c'est comme ça, mais bon. Il est, si vous voulez, il est quand même un peu dans la duplicité, hein, cet homme. C'est-à-dire qu'il veut pas vous perdre, certes, mais il a du mal à se désengager de sa relation. Parce que ça, c'est qui est-ce qu'il préserve dans cette histoire? Je suis pas certaine que ça soit sa compagne, hein, et pas vous non plus. C'est-à-dire, lui, oui, il essaye de tirer son épingle du jeu. Mais vous me dites que ça, avec sa compagne, ils se sont éloignés. Enfin, elle se rend compte que ça va plus très bien. Donc, c'est paradoxal de dire on se sépare en douceur, parce que à un moment, si la relation ne va plus bien, qu'il le fasse en étant respectueux vis-à-vis d'elle, en ne se comportant pas mal, et c'est la moindre des choses. Mais pas en faisant traîner en longueur. S'il fait traîner en longueur, c'est qu'il y trouve son intérêt. C'est ça. Et il n'arrive pas, malgré les discussions qu'on a pu avoir, il n'arrive pas à et pourtant, elle cherche à savoir la vérité, ce qui est tout à fait normal. Oui, ça se comprend. Ce qui est tout à fait normal. Mais lui ne le dira pas. Il me dit tout simplement qu'il ne veut pas la faire souffrir non plus parce qu'elle est qu'elle est vachement. Oui, mais là il se leurre complètement. Vous pourriez lui répondre que dans les faits il la fait souffrir, puisque si cette femme cherche à savoir, c'est qu'elle souffre de la distance qui s'est installée entre eux, de l'éloignement qu'il y a. Sinon elle ne lui poserait pas tant de questions. Donc elle a besoin de comprendre ce qui se passe. Et lui, il est dans l'évitement. Il ne dit rien. Donc, il la laisse dans cet abîme comme ça d'interrogation. Et vous savez ce qu'il en est, mais vous, il vous laisse dans une position d'attente. Donc, résultat, sous couvert de « je ne veux pas faire souffrir ma compagne », il la fait souffrir, et puis vous aussi. Exactement, exactement. Et du coup, moi, je lui demande d'être honnête au moins, mais il me dit qu'il préfère autant que ce soit elle qui lui dise de partir. Ah ben oui, ça l'arrangerait, ça serait plus simple. Alors peut-être qu'effectivement, sa stratégie, entre guillemets, c'est de la pousser à bout. C'est-à-dire qu'à un moment... C'est exactement cela, oui. Oui, mais enfin, c'est la stratégie du pourrissement, quoi. Il laisse pourrir la relation... Exactement. Entre guillemets, pour que elles n'en peuvent plus. Mais c'est que, alors il y a des gens hein, qui fonctionnent comme ça parce qu'ils n'assument pas de jouer le mauvais rôle et de faire du mal à quelqu'un qu'ils ont aimé. Donc ils poussent l'autre à prendre la décision. Ça arrive, mais bon, après tout, si cette femme ne comprend pas aussi ce qui est en jeu ou ne veut pas comprendre, ou ça peut durer un moment. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Puis moi, j'ai quand même 37 ans, j'ai quand même envie de continuer ma vie, de fonder une famille, de continuer à... Oui, je comprends.
Et c'est je sais pas, je me retrouve dans une situation où franchement, là ce soir on s'était quitté, pas bien du tout, parce que lui m'avait dit qu'il avait pris la résolution de se faire une dépendance, mais chez elle, alors qu'à la maison, ben, moi j'aurais aimé qu'on construise quelque chose tous les deux, tous les Oui, trois. mais déjà, vous voyez, il parle de faire une dépendance chez elle. Enfin, oui, remarquez, c'est symboliquement, c'est très fort. Il faudrait lui renvoyer le fait, oui, il est plus dépendant qu'il ne le dit. Oui, je pense. Dépendant aussi. à quoi? Enfin, peut-être que. Alors, avec vous, il a le côté très intense, très passionnel. Oui, mais ça, c'est. Mais dans cette autre relation, il y trouve peut-être aussi une stabilité dont il a du mal à se séparer. Peut-être, je ne sais pas. Oui. Ben, je ne sais pas. Je sais vous voyez, pas je reçois un petit message de Nejoud, puisque vous souhaitiez aussi les réactions des auditeurs. Elle oui, envoie un petit SMS pour dire « Cet homme est sans doute attaché à vous deux, différemment, et du coup, il peut maintenir cette situation encore bien longtemps. » Et au Exactement. Final, il vous laisse prendre une décision l'une et l'autre. Parce que quand vous disiez qu'au fond, il aimerait que ça soit elle qui décide, c'est le problème. Oui. Quand on n'arrive pas, quand on est dans l'indécision, hein, eh bien, oui. ce qui arrive, c'est que du coup, on pousse les autres à prendre une décision à notre place. Mais oui. on n'est pas certain que cette décision-là nous convienne. Parce qu'il attend que ce soit, et il peut être tout à fait sincère quand il vous dit ça, que oui. cette femme prenne une décision, ça l'arrangerait avec sa culpabilité. Oui. Il s'arrangerait avec sa culpabilité en disant, bah, en gros, c'est elle qui m'a quittée. Hein, oui. Même si, dans les faits, il a tout fait pour qu'elle le quitte. Oui. Bon, déjà, c'est rien n'est moins sûr. Et puis, ce qui peut surtout arriver, c'est que c'est les questions un peu que vous vous posez, finalement, ce soir, Liliane. C'est que oui. vous pouvez en avoir assez de cette attente. J'en ai assez, je crois. Mais, et vous le quittez. Parce que je l'aimais ben oui, éperdument. J'entends et, bien. On s'est vachement attaché, puis mon fils aussi. Et ça me fait de la peine, parce que c'est quand même... Si c'était que moi... Oui. À la limite, quel âge il a, votre fils? Il a 8 ans, maintenant. D'accord. Et il le connaît oui. depuis c'est un an. Depuis, et oui, je comprends. Il n'a jamais connu son. Enfin, il côtoie son père. Mais il côtoie son père, il n'y a pas de problème. Il connaît qui est son père. Bon, il c'est le important, ça. Mais oui. je veux dire, la présence masculine qu'il a pu avoir depuis c'est un an, ça n'était que lui. Et aujourd'hui, j'avais envie de concrétiser. Aujourd'hui, il a 8 ans, mon fils. Je comprends, oui. Et je voilà, et il a toujours connu que lui. Et j'aurais aimé qu'on concrétise quelque chose. Et rien ne. Enfin, j'ai peur, il me dit laisse-moi encore quelque temps. Mais je dis mais quelque temps. Oui, ça mais des temps, c'est, voilà, vous avez raison. C'est-à-dire, qu'est-ce qui ferait qu'il changerait aujourd'hui? Il semble vous le dire, enfin, qu'est-ce qui pourrait, plus exactement, quels sont les facteurs qui pourraient l'amener à décider, enfin? Parce moi, que du temps que en soi, laisser passer du temps. Sa concubine lui dise de partir. Oui, c'est ça. Mais elle ne lui dira jamais. Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais en tout cas, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre énormément de temps. D'autant que à ces questions, semble-t-il qu'elle pose ou elle essaie de savoir pourquoi ils sont moins proches, il ne répond pas. Parce qu'après tout, elle tend des perches. Pas, il pourrait dire qu'il sait qu'il est moins attaché ou qu'il a rencontré quelqu'un. Après non, tout, il ne le dira pas. Voyez, elle le questionne. Dans le flou, il ne lui dira pas la oui, vérité. Mais parce que cet homme veut, il n'assume rien. Il veut pas jouer le mauvais rôle, quoi. C'est-à-dire. Non, c'est là, c'est exactement ça. Voyez, il est au milieu en se disant bon ben. Moi, je veux pas me sentir coupable, donc c'est elle qui va décider. Il attend qu'on tranche pour lui. Mais ce qui semble pas réalisé, et peut-être qu'il faudrait de façon habile lui laisser entendre que quand on ne décide pas soi-même, c'est les autres qui décident et ça va pas forcément dans notre sens. C'est pas forcément ce qu'on attendait, parce que vous pouvez lui dire que il attend que ce soit elle qui décide de le quitter, mais que vous, au final, votre patience, elle est pas inusable. Hein. Exactement. Et c'est cela qui me fait peur. Mais vous pourriez aussi l'aborder. Je ne parle pas de mettre un ultimatum, parce que le côté ultimatum n'est jamais très bon. Mais visiblement, il ne veut pas trop envisager cette éventualité-là. Mais c'est ce qui pourrait arriver. Oui. Parce que à force, je m'affaiblis et je me dis, bon, j'y crois plus trop, quoi. Oui, je me dis, oui, bon. Oui. C'est pas possible, malgré mes sentiments, malgré mon désir de fonder quelque chose,
Le temps passe et je me dis, ben voilà quoi, c'est dommage parce que franchement, je suis vachement attachée à lui. Et je ne sais pas comment réagir, quoi faire. Est-ce qu'il faudrait que je lui laisse du temps? Est-ce qu'il faudrait que je prenne du recul, qu'on coupe? Non, mais du temps, si vous voulez, je crois que dans ce temps-là, qui peut être très long pour lui, il faut que vous fixiez des limites dans ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. C'est-à-dire que du temps, il essaie de gagner du temps, c'est ce qu'il vous dit. Il essaie de gagner du temps parce qu'il sent que vous vivez de plus en plus mal cette situation. Mais il faudrait clairement lui poser la question. Qu'est-ce qui fait qu'il changerait? Il attend quoi, au juste? Que sa compagne le quitte? Bon. Vous ne pouvez pas, vous, attendre la décision d'une autre. Oui. C'est quand même déjà l'attente en soi est assez... destructrice. Enfin, je trouve que c'est des situations où on perd un peu l'estime de soi. C'est ça. En attendant. Et en plus, c'est même pas lui qui décide. Il faudrait qu'une autre femme décide de votre avenir à tous les deux. Enfin. Ouais. Mais moi, faites-lui basculer quand même. Faites-lui envisager l'hypothèse que vous aussi, vous pouvez finalement. Oui, il y en a. Les femmes vont décider pour lui, mais peut-être pas comme il l'entend. Voilà, et parce que lui me dit qu'à ou alors il va se faire larguer par les deux, c'est-à-dire que sa compagne, à un moment, va en avoir marre, mais vous aussi. Mais voilà, et lui me dit toujours, il me dit, mais j'espère que tout ce que je suis en train de faire, ça ne sera pas pour rien. Mais moi, j'ai peur qu'avec le temps, tout compte fait, finalement, après, je n'aurai plus ce désir profond de oui, parce que, vous avez raison. Avez raison et c'est un point important. C'est-à-dire que à un moment, il n'a pas c'est pas lui qui s'affirme et qui manifeste son désir très clairement d'être avec vous. C'est un peu par défaut. C'est-à-dire, il attend. Il y a une forme de lâcheté quand même, hein, aux mots dans tout ça, où il attend que ça soit elle qui décide et vous, ça peut abîmer votre relation, y compris vos sentiments pour cet homme, parce que vous pouvez en ressentir une certaine amertume, une déception. Mais en tout cas. Ça a déjà commencé, c'est pour ça que je vous appelle, parce que justement, je sens bien que c'est en train de bouger. C'est dommage, c'est fort dommage, parce que... Oui, mais vous avez commencé, Liliane, en me disant que vous aviez traversé beaucoup d'épreuves. Énormément d'épreuves. Hein, sur le plan amoureux. Et là, vous êtes dans une situation où vous auriez peut-être besoin, pour être un peu réparé, d'être choisi volontairement, enfin d'avoir quelqu'un qui décide. Parce que c'est ce que dit Laurent d'ailleurs après toutes ces épreuves. Est-ce que vous n'avez pas peur de l'abandon? Ne le sent-il pas? Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas sécurisant ce qui vous fait vivre. Non, et pourtant, moi, je n'y croyais plus du tout. Mais si vous voulez, vous avez un premier compagnon qui met fin à ses jours, le père de votre enfant. Oui. Qui vous laisse, qui m'a au moment où, qui vous abandonne. Et là, pas, vous avez un homme qui il est engagé dans une autre relation, il n'arrive pas à y mettre un terme. Ce n'est pas sécurisant. Vous vous retrouvez quand même dans des situations où il y a un lien commun, où ils ne sont pas fiables. Quoi. Ça me fait très, très peur. En tout cas, le premier qui met fin à ses jours, vous avez pu vous le vivre comme un abandon. Oui. Aussi. Donc, pourquoi vous infligez de telles choses? Vous voyez, et je trouve que c'est là où la position d'attente, elle n'est pas bonne pour vous. Et vous pouvez dire que vous, le temps n'est pas le même pour lui que pour vous. Non, absolument. Et que pas le vous même. Comprenez bien qu'il essaie de gagner du temps parce qu'il ne veut pas vous perdre, mais qu'en même temps, vous n'allez pas, vous n'êtes pas Pénélope, quoi. Vous n'allez pas attendre comme ça indéfiniment. D'accord. Ouais. Alors. Il y a un message que quelqu'un dit « Soyez patiente, j'ai mis 4 ans à divorcer, j'ai dû attendre d'avoir les finances et pour faire un divorce intelligent, entre guillemets, et non violent. » Bon, d'accord, mais enfin, il faut quand même que de votre côté, vous puissiez dire un peu ce qu'il en est. Hein. Oui. Parce que je vous dis même, et quand bien même ils se sépareraient, parfois, le fait d'avoir... c'est presque... ça vient trop tard. Ça vient trop tard, il y a eu de la déception. C'est ça. Ça me fait vachement peur. Parce mais dites-lui, dites-lui que vous, voilà, vous craignez le fait même de vous poser les questions. Voilà. Mettez-le face à ça. Voilà, si on attend la séparation, il faudra quand même un laps de temps avant que nous, on se retrouve.
Oui, mais vous pouvez dire que vous lui en voulez de ne pas décider, et dites-lui quand même qu'à ne pas vouloir faire souffrir et sa compagne, et vous, dans les faits, il fait souffrir les deux. Parce qu'il n'y a rien de pire qu'une personne indécise. Hein. Ouais. Sa compagne le questionne, peut-être que, s'il lui disait qu'il a rencontré quelqu'un et qu'il aime, que son cœur est aujourd'hui ailleurs, bien sûr que ça serait douloureux. Oui, mais ça serait douloureux, mais ça lui permettrait de, d'exprimer sa colère, sa tristesse, son amertume, enfin tous ces sentiments qui sont parfaitement légitimes, mais aussi d'envisager autre chose, de se reconstruire. Alors que là, il reste dans un flou, dans un flou qui est préjudiciable à elle comme à vous. Exactement. Et moi, ça me fait aussi de la peine pour elle, parce que je veux dire, pour le père de mon fils, il avait rencontré quelqu'un, mais il a eu l'honnêteté de me le dire. Il a eu l'honnêteté de me le dire et on s'est séparés. Mais ce qui est fou, mais au moins il a eu l'honnêteté de me le dire. Oui, mais ce qui est fou, vous voyez, Liliane, c'est que vous pensez, enfin, à cette femme, vous éprouvez de la culpabilité. Vous appropriez sa culpabilité à lui, parce que lui, finalement, il s'arrange en disant non, je suis pas coupable, c'est elle qui va décider. Et oui, non, mais moi je me sens très mal par rapport à elle, parce que. Mais c'est pour ça. Mais enfin, c'est lui qui devrait se sentir d'autant plus mal. Hein. Ouais. En tout cas, à pas laisser durer, c'est un peu le supplice chinois, hein, de laisser durer comme ça. Hein. Moi, je lui ai dit à maintes reprises, sois honnête envers elle, dis-lui la vérité. Et d'autant plus que je crains, c'est que comme vous vous êtes retrouvée dans la configuration avec le père de votre enfant, où vous avez été dans cette situation de celle qui avait été quittée, je comprends que vous n'ayez pas envie d'être dans la position inverse aujourd'hui. Non. Au vu de tout ça, moi je vous dirais quand même de vous fixer un certain délai dans cette attente. Hein, que il faut pas que vous vous dépréciez dans cette histoire. D'accord. Granate dit, j'ai une amie moi qui attend depuis 20 ans. Alors Liliane a la chance. Alors il dit que vous avez la chance d'être très lucide. Et que vous sentez que bon, déjà vos sentiments, c'est quand même ils en prennent un peu un coup par rapport à cette, ils vous déçoivent, donc ils vous disent soyez ferme, voilà. D'accord. Pas trop de compromis quand même. Bon courage. D'accord, je vous bon courage beaucoup, Liliane. Caroline. J'en profite pour embrasser nos amis réunionnais. Je sais qu'il y en a beaucoup aussi à l'écoute. Je pense qu'ils sont beaucoup. Il y en a beaucoup qui écoutent Europe 1. Je vous embrasse, allez vite vous coucher, il est tard là. J'y arrive pas, trop dans la tête. Parlez-lui en, parce que peut-être que aussi ce qui peut pousser cet homme à un moment à agir, c'est la peur de vous perdre après tout. Voyez, si vous vous montrez trop compréhensive à un moment, peut-être que il essaie de gagner du temps. Oui, c'est ça. D'accord. Bon courage, Liliane. Merci beaucoup, Caroline. Je vous en prie. Très belle soirée à vous. Au revoir à vous aussi. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Europe 1. Dis-moi que si tu es là, ce n'est pas juste pour mes jolis yeux.